Le lac Ossa, au Cameroun, est une réserve de faune sauvage réputée, notamment pour son importante population de lamantins. Mais aujourd'hui, un fléau menace. La Salvinia géante, une plante envahissante, est en train de détruire cet écosystème. Cette fougère aquatique empêche les mammifères de remonter, respirer à la surface. Elle a aussi des répercussions sur la population locale. La pêche, principale source de revenus, devient impossible sur les zones envahies. On constate qu'il souffre. Les lamantins souffrent. Là maintenant, il n'y a personne, il n'y a rien là-bas. Vous voyez ici, chez nous, on ne pêche même pas en journée. Tu ne peux pas tendre ton filet parce que tu tends ton filet, tu l'oublies rapidement, immédiatement même. Les revenus des pêcheurs ont chuté de 80%. Originaire du Brésil, la Salvinia est apparue ici en 2016. Elle recouvre aujourd'hui un quart de la superficie du lac. L'arracher à la main n'est pas suffisant. Une ONG camerounaise s'est mobilisée et pense avoir trouvé la solution grâce à un coléoptère. La plante double en superficie ou bien en biomasse tous les 10 jours. Donc c'est une prolifération très rapide qui ne saurait être jugulée juste par le recueil manuel. C'est pourquoi nous avons ajouté à cela la lutte biologique qui va prendre du temps, mais qui est beaucoup plus efficace parce qu'il s'agit ici d'un insecte qui se nourrit spécifiquement de la plante Salvinia et c'est déjà un ennemi naturel de cette plante. L'ONG attend à présent un feu vert du gouvernement pour lâcher ces insectes sur le lac. Pour les pêcheurs comme pour les lamantins, le plus tôt sera le mieux.